الحقيقة احنا شرفنا بمقابلة. On a eu une séance de discussion avec son excellence monsieur le premier ministre. Il était une séance de travail très constructive concernant le sujet de développement en République démocratique du Congo. Les relations de coopération entre l'Égypte et la RDC est étendue depuis l'indépendance du Congo jusqu'à maintenant. Et maintenant, les relations bilatérales sont très très fortes entre les deux pays, soit au niveau du chef d'État, le premier ministre et tous les ministres et toutes les organisations gouvernementales entre les deux pays. Par exemple, aujourd'hui, son excellence le ministre était là pour inaugurer le centre de prévision de pluie et changement climatique comme don du gouvernement égyptien pour la RDC. Ce projet va aider le gouvernement et le peuple congolais pour comment traiter avec les situations inexpectées concernant l'eau et des autres affaires naturelles. Il y a des autres projets qu'on discute et on travaille maintenant avec nos frères congolais concernant les systèmes d'irrigation pour comment traiter les saisons qu'il n'y a pas de pluie, comment organiser l'irrigation. On discute maintenant avec nos frères congolais aussi la construction d'un barrage pour générer l'électricité comme un des moyens de coopérer et aider notre frère congolais. J'ai accompagné la délégation de nos partenaires du gouvernement de la République arabe d'Égypte qui est composée du ministre en charge des ressources en eau et irrigation ainsi que l'ambassadeur d'Égypte et aussi d'autres experts venus de l'Égypte fraîchement avant-hier et hier. C'est parce qu'aujourd'hui, le 15 juillet 2021, nous allons concrétiser en fait le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre d'ouvrages en faveur de la République démocratique du Congo. L'ensemble du projet est que la RDC est bénéficiaire d'un don de 10 500 000 dollars de la part du gouvernement égyptien. Lequel don est ventilé dans différents ouvrages, je viens de le dire. Il y a eu le renforcement des capacités des experts congolais en matière d'irrigation, en matière de gestion des catastrophes liées à la ressource en eau. Aujourd'hui, nous allons inaugurer le centre hydro-informatique de Kinshasa qui va aider à des prévisions des catastrophes comme les inondations, les tremblements de terre et tout ce qu'il y a comme question d'adaptation au réchauffement climatique. Ça va aussi aider le ministère de l'Agriculture pour la bonne gestion des saisons agricoles et aussi le ministère du Développement Rural, y compris le ministère des Transports, notamment sur les volets du transport fluvial et lacustre, pour savoir juguler les périodes, la quantité, les débits en eau brute, au fait, tout ce qu'il y a comme institution ou agence qui travaille avec l'eau brute.